On a tous vécu ce moment où tu te réveilles un matin sans aucune motivation pour te lever, et à cause de ça, tu commences à regarder ton téléphone et à scroller sur YouTube ou Twitter. Et tu sais que c'est la pire des choses à faire, parce que ça te démotive encore plus, ce qui te fait encore procrastiner, et tu finis par te retrouver à 14h, toujours dans ton lit, rempli de culpabilité, avec une journée déjà à moitié entamée. À partir de là, t'as deux choix. Soit tu abandonnes cette journée et tu gâches les quelques heures qui te restent en continuant à rien faire, soit tu bouges tes fesses et tu suis les instructions qui vont suivre pour sauver ta journée et ne plus jamais vivre ce moment. La première chose à faire est d'accepter le passé et de se concentrer sur le présent. Tu as peut-être gâché ta matinée, mais tu peux toujours te rattraper. Donc tourne la page et motive-toi pour ce qui vient. Une astuce pour facilement se remotiver est de changer comment tu vois ta journée. Au lieu de l'avoir en un seul bloc que tu réussis ou que tu échoues, sépare-la plutôt en 4 parties distinctes où tu évalueras ta productivité indépendamment sur chaque partie. Ça veut dire que si tu gâches ta matinée, tu pourras toujours être productif sur les 3 autres segments, soit la majorité de ta journée. Finalement, même si tu commences mal ta journée, reste optimiste parce qu'il te reste certainement plus de temps que tu ne le crois. Bon, maintenant que tu t'es motivé à te lever, commence par boire un grand verre d'eau froide. On se déshydrate énormément la nuit, ce qui est une grande cause de fatigue, donc se ressourcer en eau règle ce problème, en plus de te donner un petit coup de réveil avec la fraîcheur de l'eau qui rentre dans ton corps. La prochaine étape est de ranger ta chambre, mais surtout de faire ton lit. Avoir un lit propre et soigné te permet d'accomplir au moins une chose dans ta journée et de te donner un petit sentiment d'accomplissement pour bien entamer la suite. Et ça t'empêchera un minimum d'aller te recoucher parce que tu devras forcément défaire ton lit. En plus, finir sa journée et être accueilli par un beau lit bien préparé est toujours plus agréable. Mais en général, avoir un environnement rangé permet d'apporter un peu d'ordre et de bien-être dans ton esprit. Ensuite, il faut faire une activité physique. Boire de l'eau ne suffit pas pour réveiller ton corps, il faut aussi réveiller tes muscles qui sont totalement engourdis à cause d'une trop longue période d'inactivité. Si tu peux faire une séance de sport complète, c'est excellent, mais rien que de faire des étirements suffit aussi amplement. Va sur YouTube et clique sur n'importe quelle vidéo de yoga ou d'étirement complet du corps. En fait, faire une activité physique a un effet positif sur ton humeur et ton niveau d'énergie, car ton cerveau produit de l'endorphine qui est une molécule qui agit comme un antidouleur naturel. Cette molécule te donne un sentiment de relaxation et de bien-être général. Elle combat le stress et toutes les douleurs physiques et mentales que tu peux ressentir. Mais je vous avouerai, je suis un peu en train de souffrir en ce moment. Et dans ton cas, ça te déculpabilisera d'avoir gâché le début de ta journée, tout en te donnant de l'énergie pour entamer la suite. Si t'aimes pas les étirements, tu peux toujours faire de la marche ou n'importe quoi qui te fait bouger les fesses. Tout fonctionne aussi bien. Et si tu peux faire ton activité physique en extérieur pour recevoir en même temps de la lumière du soleil et la fraîcheur du temps, c'est encore mieux. Ok, maintenant que tu t'es réveillé, une des choses les plus importantes à faire, c'est de se changer et d'être propre. Va prendre une douche, brosse-toi les dents, prends soin de ton corps et de ton visage, mais surtout habille-toi correctement, comme si t'allais sortir, même si tu comptes rester chez toi. Le but c'est que tu te sentes bien dans ta peau et que tu enlèves toute la saleté que tu as accumulée durant la nuit, ce matin et durant ta séance de sport. Et en plus, tu te sentiras frais et en forme pour entamer la suite. Maintenant, il te reste encore deux choses à faire avant de commencer à travailler. La première, c'est de retirer toutes distractions qui ont été en fait la cause du problème qu'on est en train de régler. Et la plus grosse distraction qui menace la suite de ta journée, c'est ton téléphone. Tu dois impérativement t'en débarrasser pour aujourd'hui. Désactive toutes les notifications inutiles, mets-le en mode silencieux, cache-le loin de ton bureau ou demande même à tes proches de le cacher. T'en fais pas si t'as peur de rater quelque chose sur ton téléphone, c'est faux. Et d'ailleurs, cette pratique est la même pour toutes les autres distractions, range tout ce qui peut nuire à ta concentration. Et si tu peux pas cacher certains objets ou même sites internet, tu peux soit physiquement t'éloigner et travailler autre part, soit installer des extensions web ou des applications qui te bloquent l'accès temporairement à une liste de sites internet que tu auras choisi. Mes extensions préférées sont BlockSite et LigiBlock. Ils sont gratuits et te permettent de contrôler l'utilisation de ton navigateur de la manière dont tu le souhaites. Et enfin, la dernière chose à faire est d'organiser ta to-do list pour le reste de ta journée. Note toutes les choses que tu aimerais faire et trie-les par ordre d'importance. C'est important parce que tu seras limité par le nombre de tâches que tu pourras accomplir vu le temps qui te reste. Donc réfléchis bien à ce qui est essentiel à produire et ne prends que les tâches qui doivent être obligatoirement faites pour aujourd'hui. Moins t'en as, mieux c'est. Maintenant, avant de te dire comment ne plus jamais reproduire ce genre de matinée, je te souhaite bon courage pour la suite et le travail que tu dois accomplir. Sache que tu as déjà été assez productif en choisissant de sortir de ton lit et d'avoir accompli toutes les choses que je t'ai conseillé de faire.
Si demain tu ne veux pas reproduire la même erreur, il y a trois choses que tu dois faire chaque jour. La première est d'organiser la journée du lendemain, la veille, du matin jusqu'au soir. Chaque jour, tu dois déjà savoir ce que tu vas faire dès ton réveil et pour chaque seconde qui suit, pour ne plus jamais devoir prendre une décision au moment où tu seras le moins motivé, parce que c'est à ce moment-là où tu seras le plus tenté de procrastiner. La seconde est de définitivement changer ton environnement et d'enlever toute distraction proche de ton lit, voire même de ta chambre. Continue d'utiliser des extensions web ou tout outil te permettant de bloquer toute menace à ta concentration. Mais je te conseille surtout d'éloigner ton téléphone et ton ordinateur le plus loin possible de ton lit, surtout le soir avant de dormir, car ça t'empêchera de facilement pouvoir y accéder à ton réveil vu que ce n'est plus à portée de main. En plus, si tu utilises ton téléphone comme alarme, ça t'obligera à te lever pour l'éteindre. La dernière chose à faire n'est pas vraiment une action, mais plutôt une règle à suivre. En fait, tu dois t'obliger à utiliser ton lit que pour dormir et rien d'autre tout au long de ta journée. Ça t'habituera à utiliser ton téléphone et ton ordinateur à des endroits différents, mais ça t'aidera aussi à mieux t'endormir parce que tu auras associé l'action de dormir avec ton lit. Sache que c'est pas grave si ce genre de matinée arrive de temps à autre. Tout ce qui compte, c'est d'aller de l'avant, même après un échec. Ne laisse pas une mauvaise matinée définir ta journée, comme ne laisse pas une mauvaise journée définir ta vie. Merci de m'avoir regardé, et à la prochaine.